Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ici Youngblood. On se retrouve pour la suite et la fin de Mass Effect 1. Alors, hop là, appuyez sur une touche, on y va, on est parti. Hop, le petit plaid, parce qu'il fait un peu froid, et on y va. Je me suis fait un petit café. Voilà. On va attendre qu'il refroidisse un peu. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? On s'est arrêté là. En fait, j'ai regardé un peu où est-ce qu'on en était dans l'histoire. Mais en fait, on est à la fin. Hier soir, j'aurais dû continuer parce que je crois qu'il reste à peu près une heure et demie à peu près de jeu. Et voilà, du coup, ce sera un tout petit live. Un tout, tout petit live. Ouais, de 2 heures maximum. Mais bon, ça fait rien. Hop là, du coup, on continue. Je m'attendais pas à ce que le jeu soit aussi court. Hop, le café est bon. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court. En gros, là, on tue sa reine et c'est fini, quoi. Hein. C'est à peu près ça. Voilà, emballé, c'est pesé. Non, merde, je me suis trompé. Occupez-vous-en. Merde, j'ai loupé. Hop là, c'est bon. Ah, mais il y en a encore un. Ah oui, mais il y en a plein en fait. Ok, c'est bon. Non, merde, j'aurais dû continuer, je suis trop con. J'ai fait de la merde. Ah. Voilà. La voie est libre. Ah, encore. Alors ça, c'est des protéines, si j'ai bien compris, hein. C'est eux les protéines qui se sont fait dégommer par les moissonneurs, qui sont une espèce d'intelligence artificielle qui vient tous les 50 000 ans ou un truc comme ça, qui vient pour faire Thanos, quoi, qui détruisent tout. Si j'ai bien compris, mais alors je sais pas pourquoi sa reine s'est associée avec lui. Ça, je n'ai pas bien compris, ouais. Qu'est-ce que je vais faire là? Ah ouais, par là. Ça, c'est un truc. Mais de toute façon, je pense que après le let's play, je regarderai. Je pense qu'il y a des gens qui expliquent le scénario. Et je regarderai pour bien tout comprendre. Parce que j'avoue que j'ai pas tout compris au scénar. Ce que j'ai compris, c'est que le Mass Effect, là, l'espèce d'épingle à cheveux là. Bah c'est les... Enfin, on pensait que c'était les protéins qui avaient créé ça, mais en fait non, c'est les moissonneurs. Les trucs qui nous permet d'aller plus vite que la lumière, là. Je sais pas du tout où j'ai, hein. Bah alors, vraiment, pas du tout. Ah, 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 là, il y a des ennemis, là. Est-ce qu'on peut les voir? Ah, là, j'en vois un. Merde! Mais, putain! Mais, c'est pour que ça bug, là, oh. Mais, c'est ma manette qui bug, ou quoi? Mais, attendez, c'est quoi cette merde?
Oui, pourquoi ça marche pas là? Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, bon, bref. Ok. Attention! Regardez le snipe. Ah mais ils sont tous là. Et du coup les Geths se sont créés par les la race de Tali, je crois. Périmètre nettoyé. C'est eux qui les ont créés, les Geths. Mais comme dit, je pense que je vais regarder un gars qui explique un peu le scénar, parce que ça a l'air un peu compliqué quand même. Ouh, c'était chaud là. Oh. Putain, ils sont chiants ceux-là. Ceux-là, ils sont vraiment trop chiants. Les ennemis sont vraiment trop chiants. À sauter partout comme ça. Il en reste deux ou trois. Voilà. Bon, on va finir le café avant qu'ils refroidissent. On les a tous eus, Shepard. Voilà. On doit aller où? Alors on va aller là. Il y a une petite case. Une petite cachette. Ou bien c'est un ascenseur? Ah, c'est un ascenseur. Ok. Est-ce que je dois aller prendre l'ascenseur? Non, je... Attends, on va quand même le prendre, au cas où. Ah mais je crois que je suis revenu en arrière. Attends. Ouh. Ah, on est passé au-dessus, d'accord. On a juste OK. En soi, ça n'apporte pas grand-chose. Est-ce qu'on peut sauter? Non, on peut pas. Ça, c'est un peu de la merde, ça. C'est juste pour récupérer cette caisse. Bon, bah, ça n'a pas servi à grand-chose. Hop là. Cet endroit est toujours alimenté. Il doit y avoir un générateur dédié. Je gagerais que c'est le centre de commande du complexe tout entier. Les troupes de Saren ont certainement scellé les portes d'ici quand il est entré.
Il nous faudra découvrir comment désactiver le verrouillage de sécurité si nous voulons pénétrer un jour dans ce bunker. C'est qui me tire dessus là? Pas mourir, hein. Allez. Prête. On les a tous su, Shepard. Merde. Merde. What? Il est avec nous, lui? Pourquoi il s'est réveillé? Oula. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que l'on a fait? Merde. On a réveillé un Get. Ah bah là aussi. Mais est-ce qu'il va nous accompagner là? B de réparation d'armature. Bon, on va tous les faire. Enfin, peut-être qu'il va se passer un truc. Merde. Ah! Là j'arrive pas, voilà. Bon, bref, peut-être que ça, peut-être qu'ils étaient avec nous si on les si on les activait durant le combat. Tiens, là il y a un conteneur. Putain, mais il y a trop de piratage quoi, mais c'est vraiment pas intéressant ce truc. Piratage n'est pas trop intéressant. Ah voilà, on est arrivé. Dépêchons-nous. On va désactiver. Sa reine a déjà une avance conséquente. Il nous faut le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. À moins qu'il ne l'ait déjà trouvé. Dans ce cas, on se jetterait droit dans un piège. C'est un risque qu'il nous faut prendre. Attendez, il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible de flotte d'invasion. Y'a pas d'issue. On dirait un message, mais je n'arrive pas à reconnaître la langue. Du protéin, sans doute. Cet enregistrement doit être vieux de 50 000 ans. Il est normal que nous ne puissions le comprendre. Moi, je le comprends. Attends. Pourquoi ils ont pas compris? Ah, ça a parlé, ok. Du protéin, sans doute, cet enregistrement doit être vieux de 50 000 ans. Mais nous, on l'a compris. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Mais oui, entre les balises et l'énigma, la connaissance du langage protéin a certainement été implantée dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouvez refuge. Intérieur des archives. Quel est le message? Vous comprenez quelque chose? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Sans l'espoir. Acte désespéré. Le canal. Tout est perdu. Ce n'est pas très clair. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Mais il parle de la citadelle. Impossible à arrêter. Impossible à arrêter. Ok, allez, on continue. Ah merde, c'est pas du tout par là. Ah! Mais c'était pas là? Ou bien on l'a activé, c'était ça le truc? Je ne sais plus.
panneau de sécurité. Bah oui, c'est pas ça? Si, ouais. Bah on a dû l'activer, hein. Ça aussi, c'est pas très très clair dans le jeu, quand tu fais des quêtes, quand tu les termines, si t'as réussi à faire ce qu'il fallait. Ah bon, on passe par là. J'imagine. Je me suis aussi renseigné pour sauver Ashley, enfin le passage où on devait sauver Ashley ou Kaidan. Bah finalement il faut bien faire un choix, on peut pas sauver les deux. C'est soit l'un soit l'autre. On doit aller où là? Ascenseur, zone d'atterrissage. C'est quoi ça? Ascenseur, il y a deux ascenseurs. Bon, on va aller par là, par... Ah, on est retour sur le Mako. Mais... Ah bah oui, c'est bon, ça c'est ouvert. C'est bon, ok. Du coup, on a bien fait ce qu'il fallait faire. Et on est parti. J'ai passé ma vie à étudier les protéins, mais jamais je n'aurais imaginé découvrir une telle chose. Ce bunker a peut-être été le dernier refuge de toute leur civilisation. Imaginez les mystères, les secrets qu'ils pourraient renfermer. Hé, hey, rappelez-vous ce qu'on fait ici. Sa reine, le canal, le sort de toute la galaxie. Je suis désolée. J'ai été prise de court par les événements. J'espère simplement que nous aurons l'occasion d'étudier cet endroit en détail. Nous allons revenir. Je pensais... Qu'est-ce que c'est que ces choses au mur? Des containers? On dirait des modules de stase. Les protéins ont probablement tenté de survivre. Il y a des ennemis. Oula! Putain, on peut vraiment les avoir de loin. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'arrive pas à les buter? Voilà. Il en reste encore un. Il est où? Il doit être devant moi, mais je le vois pas. Ah, il est là. Alors, on a gagné un niveau, mais je crois qu'on est niveau max. Hein. On peut plus rien augmenter. Ah si, encore un. Niveau 50. Je crois que c'est... je crois que le niveau max, c'est... Je sais pas, ça doit être 60, je crois. Aptitude physique. Toi, tu vas augmenter... ouais, électronique. Toi, atténuation. Voilà. Voilà. Ah. Je crois qu'on est arrivé. Ça. Force. Que se passe-t-il? C'est un piège! Sa reine nous a préparé une embuscade! Je ne pense pas que sa reine soit mêlée à tout ceci. Ah oui, on est emprisonné. Alors attention, qu'est-ce qui se passe là? J'étudie les protéins depuis des décennies, mais je n'ai encore jamais rien ressenti de pareil. Je me demande ce que nous allons trouver. Je ne sais pas ce que c'est, mais il vaut mieux rester sur nos gardes.
Ok. Alors. Vigile. Vous n'êtes pas protéen, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une espèce d'IV méchamment endommagée. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. C'est incroyable! Une authentique IV protéine et j'arrive à la comprendre! En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici, mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne sera sûr. Ok. Que voulez-vous ? Venez-en, faites pas le temps. Qui êtes-vous ? Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle. Je suis un système d'analyse non organique évolué, pourvu de l'empreinte de personnalité de Xa Dishan, surveillant en chef du centre de recherche d'Ilos. Alors, que voulez-vous ? Pourquoi me faire venir ici ? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre, ou vous répéterez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre, et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique, communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs déferleront. Ce sera la fin de votre civilisation. Ah. Les moissonneurs et l'abîme. Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme ? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses. Peut-être les moissonneurs rentrent-ils dans un état de stase prolongée pour économiser leur énergie. Ils seraient ainsi en mesure de survivre aux millénaires que nécessite le développement d'une civilisation organique. Mais dans cet état, ils sont vulnérables. En se retirant aux confins de la galaxie, ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident. Ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle. Ok. Le relais de la citadelle. Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle ? Les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle. C'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques, inoffensifs en apparence. Les veilleurs entretiennent les fonctions les plus élémentaires de la station. Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle de pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement l'espèce la technologie. De crable. Enfin, de scarabée. Cette dépendance envers les veilleurs est la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle. Pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs. Ça reine va l'activer. S'il active le relais, les moissonneurs ne feront qu'une bouchée du conseil et de sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle, et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide total. Vous êtes pas rendu. La guerre était perdue. Si vous aviez capitulé, ils vous auraient peut-être épargné. Nous n'avons jamais reçu la moindre demande de capitulation. Notre ennemi avait un seul objectif. L'anéantissement de toute vie organique évoluée. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information,
C'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis, leur population réduite en esclavage. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéins, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'au dernier protéin de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent ? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire ? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources, ou peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques. Mais finalement, est-ce bien important ? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter, pas à les comprendre. Je ne comprends pas. Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple ? Nos mondes avaient été pillés, rançonnés par les esclaves des moissonneurs. Ressources, technologies, tout ce qui comptait avait été emporté. Certains que toute vie organique évoluée avait été détruite, les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle qu'ils ont scellé derrière eux. Toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu. Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés. Ces derniers, coquilles vides, incapables de raisonner, sont vite morts de faim ou de froid. Le génocide des protéins était terminé. Vous m'avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme. C'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Ils ne vont pas trouver. Comment avez-vous réussi à vous cacher ? Toutes les traces officielles de notre projet ont été détruites lors de la première attaque sur la citadelle. Tandis que l'Empire Protéen s'effondrait, Ilos était épargné. Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là, et mes réserves énergétiques diminuaient. Si c'était lâche, qu'avez-vous fait ? Vous êtes caché. Vous êtes caché. Vous auriez dû vous battre. Nous étions quelques centaines face à une flotte d'invasion galactique. Notre seul espoir était de rester caché. J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés ? Vous avez tué leurs occupants ? C'était nécessaire. C'était ça ou laisser tout le monde mourir. Il fallait en sacrifier certains pour en sauver d'autres. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils n'ont pas parlé de ce plan de secours au personnel non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéins. Ils n'étaient qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable.
Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Et le canal. Je ne comprends toujours pas ce qui se passe ici. Pourquoi Saren essaie-t-il de trouver le canal ? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'il lui donnera accès à la citadelle et aux veilleurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. À moins que Sovereign réussisse. Sovereign peut utiliser le canal pour contourner toutes les défenses externes de la citadelle. C'est exact. Et une fois à l'intérieur, transférer le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. J'arrêterai Saren. Dites-moi simplement comment. Pourquoi il fait tout ça, Saren ? Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompra les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Attendez, où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle ? J'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal, suivez Saren, il vous mènera à destination. Sovereign. Si les moissonneurs sont prisonniers dans l'abîme, comment Sovereign est-il arrivé ici ? On peut penser qu'après chaque extermination, les moissonneurs laissent l'un des leurs ici en sentinelle pour éclairer la voie à leur retour. Comme ses congénères dans l'abîme, Sovereign a sans doute passé la majeure partie des 50 derniers millénaires en stase. Il devait se réveiller régulièrement pour analyser la situation. Tout en gardant son existence secrète, il devait évaluer l'état de la civilisation galactique. Et au moment opportun, il lancerait un signal à destination de la citadelle pour déclencher la prochaine moisson. Mais cette fois-ci, le signal a échoué. Les veilleurs n'ont pas répondu. Les alliés de Sovereign étaient pris au piège dans l'abîme. C'était à lui seul de comprendre ce qui s'était produit. Sovereign est le plus gros vaisseau de la galaxie. Pourquoi tous ces mystères ? Pourquoi ne pas simplement attaquer la citadelle ? Parce que Sovereign n'est pas invincible. En révélant sa véritable nature, il aurait ligué toutes les espèces organiques contre lui. Même un moissonneur ne survivrait pas à une telle situation. Mais les moissonneurs sont patients. Ils ne se précipitent pas dans l'inconnu. Sovereign devait échafauder son plan depuis des siècles, sans rien laisser au hasard dans ses déplacements et ses relations. Lentement, il a dénoué le fil du mystère, en utilisant des agents pour demeurer cachés. Sa reine est le plus ostentatoire de ses pions, mais ce n'était certainement pas le premier. À présent, Sovereign s'est enhardi. Par excès de confiance ou par désespoir, je ne saurais dire. Mais il est déterminé à rouvrir le portail de l'abîme. Ok, les veilleurs. Donc, quand les moissonneurs ont créé la citadelle, ils ont également créé les veilleurs. Il est plus probable que les veilleurs soient l'une des premières races exterminées par les moissonneurs. Ah. Peut-être la toute première. On peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endoctrinement ou que les moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants. Dans tous les cas, ils ont été laissés dans la citadelle pour l'entretenir et la faire fonctionner. Mais les veilleurs ne sont plus directement contrôlés par Sovereign et les siens. Ils ont évolué pour ne répondre qu'aux signaux émis par la citadelle elle-même. Quand les protéins ont modifié les signaux de la citadelle, ils ont brisé l'emprise de Sovereign sur les veilleurs. Ils sont maintenant complètement inoffensifs. Ça explique les guettes. Sovereign a dû comprendre que les races organiques étaient difficiles à contrôler. C'est en effet plausible. Les veilleurs ont évolué de façon inattendue. Les serviteurs non organiques comme les guettes sont beaucoup plus prévisibles. Et les balises, celles d'Eden Prime, celles de Virmir.
À quoi servait-elle ? À l'apogée de notre civilisation, les balises couvraient toute la surface de notre empire. Nous les utilisions comme réseau galactique pour transmettre rapidement communications et données d'un système à un autre. Elles ont été quasiment toutes détruites pendant l'invasion. Mais une fois les moissonneurs partis, les survivants d'Ilos ont décidé de risquer l'envoi d'un message. Nous savions qu'il était peu probable de trouver d'autres survivants, mais si certains avaient survécu, nous voulions leur faire connaître l'existence d'Ilos, leur donner un peu d'espoir. Nous avons donc envoyé un message sur le réseau. Vous auriez pu révéler votre présence au moissonneur. En vérité, nous pensions qu'aucune balise ne serait encore en état de marche, mais il nous fallait néanmoins essayer. Si des protéins avaient survécu, nous devions les contacter. Le message était à destination de notre peuple. Il était codé afin que seules des créatures organiques soient capables de l'interpréter. Nous ne comprenions toujours pas l'étendue de l'endoctrinement des moissonneurs. Nous étions loin de nous douter qu'il pourrait conduire un agent des machines comme sa reine jusqu'à ce monde. Mais vous l'y avez suivi. Peut-être n'avons-nous pas échoué. Ok, on va faire le dernier. Qu'est-il arrivé aux survivants du projet Canal ? Ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle, mais ce n'est qu'un prototype. Le portail ne fonctionne que dans un seul sens. Ils étaient donc pris au piège dans la citadelle. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station. Je crains qu'ils n'aient souffert une mort lente. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Votre présence ici prouve que leur sacrifice n'a pas été vain. Ouais, on se casse. Sa reine a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Shepard, vous en êtes certain ? Qui sait combien de temps encore Vigil sera ici ? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des protéins. C'est l'opportunité de toute une vie. Ouais, vous avez Il y a peut-être des infos utiles. Je vous fournirai toutes les informations possibles. Cependant, mes banques de données se limitent aux informations concernant l'invasion des moissonneurs. Ok, bah oui, on a tout vu. J'ai le fichier, allons-y. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Ok. Échoué. Ils nous ont donné une chance de survie. À nous de la saisir. Alors ne traînons pas. Allez. Hop, retour dans le Mako. On est parti. Et l'ennemi. Ils sont où ? Oh là. Ouais, juste devant. Ah là. Ok. Merde, il est là. Voilà. On l'a snipé de loin. Duc. Ah ok, c'est bien ça, on est sur l'Arc Duc. Ça veut dire quoi les petites croix là ? Point d'intérêt, ok d'accord. Attention, il y a un gros. Là.
Ouais, ils sont là. Presque. Voilà, parfait. Voilà. Allez, c'est parti, on va buter sa reine. Alors il faut pas qu'il ouvre le canal de la citadelle. Si j'ai bien compris, pour pas faire revenir les moissonneurs. Comme dit, j'ai toujours pas compris pourquoi sa reine il fait tout ça, pourquoi il est avec les moissonneurs. En train de faire un grit reset. Le grit reset. Ah bah on y est, c'est bon, on est à la fin. Là, le canal, c'est incroyable. On n'a pas le temps d'admirer le paysage. Il faut atteindre le relais, et ces guettes ne vont pas nous faciliter les choses. Ah, cinématique. Ah bah si, il a ouvert. Ah non, c'est les Gats. What the fuck, c'est quoi ça? C'est une femme, il y a une voix d'homme. PC Citadel, vous me recevez? Hey go, 40 secondes, oh punaise. Là, il faut se manier. Oh, je crois qu'il faut foncer là. Faut pas les tuer. Je pense qu'il faut foncer. Là, il reste 20 secondes effectivement. Lol, on s'envole avec le Mako. Tous les systèmes sous surveillance présentent des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Go go go, on y va. On est à la fin.
empêcher les vaisseaux ennemis de franchir les bras. Défoncer les vaisseaux Geth et les vaisseaux enfin le vaisseau du moissonneur. Cette arme.
des défenses. Ah, pourquoi celui-là on doit faire ça? Voilà. Bim. Bon, allez. On va... tu vas me faire ça sur ça, et toi tu vas me faire... ça sur ça. Allez, go. Il est perdu. Non, je crois que ça sert à rien quand on tire dessus en fait. Il faut juste attendre. C'est bon. Oh, des Krogan. Putain, mais je comprends pas. Hop là, niveau supplémentaire. On va mettre un point quand même avant, avant pour ma finale. Augmente les dégâts. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Augmente les dégâts normaux de 7%. Et ça, augmente la santé de 24%, on s'en fout de la santé. Hop là, nous on est offensif. Toi tu vas augmenter l'électronie. Voilà, toi tu vas augmenter. Et on est parti. C'est bon, on y est. Ouvrons-moi ça. Ah, on a plus besoin du casque. Ah bah, on est au truc du conseil. Ça sent le boss final, là.
fait elle? Pourquoi elle prend ça? Prends ça. RAS. Allez, c'est bon, on y va. Voilà, attention. J'ai encore quelques tours dans mon sac. Vous avez survécu à notre rencontre sur Vermir. Mais j'ai changé depuis, je suis plus fort. Sovereign m'a perfectionné. Vous allez mourir. Vos implants ne vous sauveront pas. Vous ne comprenez pas, Shepard. Il y a une place pour les êtres organiques dans ce nouvel ordre. Les moissonneurs ont besoin d'hommes et de femmes d'action. De gens comme nous. Sovereign reconnaît votre valeur. Vous m'avez impressionné. Soumettez-vous aux moissonneurs et vous serez épargnés. Rejoignez-nous et vous aurez votre place. Pour devenir esclave, assez parlé, vous êtes endoctriné. Vous êtes endoctriné. Sovereign vous contrôle par vos implants. Vous êtes aveugle ? C'est une relation symbiotique, un mélange d'organique et de mécanique, l'union de la chair et du métal, le pouvoir des deux, sans les faiblesses. Je suis l'incarnation du futur, Shepard, l'évolution de toute vie organique. Tel est notre destin. Rejoignez Sovereign et acceptez votre renaissance. Nous pouvons les battre pour devenir esclaves. Assez parlé. Alors, nous pouvons les battre. Sovereign n'a pas encore gagné. Je peux l'empêcher de prendre le contrôle de la station. Laissez-moi faire et l'invasion n'aura pas lieu. On ne peut pas l'arrêter. Pas indéfiniment. Vous l'avez vu dans vos visions. Vous savez ce qui est arrivé aux protéins. Les moissonneurs sont trop puissants. Vous vous êtes soumis. Vous auriez pu résister et faire front. Mais vous avez préféré vous soumettre et courber les chines. Vous avez peut-être raison. Il reste peut-être une chance de... Les implants. Sovereign est trop fort. Ah ouais, du coup il s'est contrôlé. Désolé. C'est trop tard pour moi. Il n'est jamais trop tard. Il y a encore un moyen d'arrêter ça si vous en avez le courage. Adieu, Gemma. Merci. Ah merde, mais c'est même pas le boss final. C'est même pas le boss final. Alors peut-être que j'ai fait des choix pour qu'il se suicide. Je contrôle tous les systèmes. Vite, déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Du Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le conseil est à bord. Je répète, le conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Je suis là, Joker. On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andorra, avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'ascension, déverrouiller les relais autour de la Citadelle, et on arrive à la rescousse. Êtes-vous vraiment prêt à sacrifier des vies humaines pour sauver le conseil, Shepard ? Cela dépasse l'humanité. Sovereign constitue une menace pour toute espèce organique de la galaxie. Le sacrifice du Conseil est nécessaire à la survie du plus grand nombre.
Ne gâchez pas vos renforts pour eux. Attendez que les bras de la citadelle soient ouverts pour les envoyer. Nous aurons besoin de toute la puissance de la flotte humaine pour affronter Sovereign. À vous de décider, commandant. On sauve l'ascension maintenant, ou on attend. Alors, le conseil, c'est des vrais connards. Du coup, je suis pour... laisser tomber, laisser crever. On se concentre sur Sovereign. On sauve le conseil. On a un choix cornélien. Alors c'est quoi la différence entre tant pis pour le conseil et on se concentre sur Sovereign? On va faire ça, on se concentre sur Sovereign. Attendez que les bras s'ouvrent, Joker. Il faut que tous les appareils se concentrent sur Sovereign, quitte à sacrifier le conseil. Ouais. Un sacrifice pour le bien de tous. Je prie pour qu'il ne soit pas inutile. À tous les vaisseaux de l'Alliance, restez en formation. Attendez le bon moment pour lancer l'assaut sur Sovereign. C'est votre seul objectif. Je répète, c'est votre seul objectif. Ah, depuis le début, le conseil c'était vrai connard. On va les sauver. Commandant, les renforts arrivent. C'est l'Alliance. Ouvrez un canal de transmission ici, Ascension. Nous subissons de lourds dégâts. Le système de défense gardienne. Passé. Nos barrières cinétiques sont HS. Ils ont fermé le canal. Temporairement la capacité technologique et biotique des ennemis. Non. Un danger tous les boucliers ennemis. Non. On va faire ça quand même, les boucliers. Voilà. Toi, tu vas faire un dommage à la structure de tous les ennemis objets dans la zone d'effet. Stase, non. Barrière, renforce vos barrières avec une barrière biotique absorbant les dégâts. On va faire ça. Un dommage tous les boucliers. Non, mais c'est la même chose. On va faire ça. Singularité. Hop là, et moi je vais faire ça. Il prend 0 dégâts. Ah oui, mais c'est normal, il a un bouclier. Putain, mais what? Je peux plus utiliser. Tu vas faire ça. Bim, toi tu vas faire ça. Bim, et moi je vais faire ça. Bon, pourquoi je peux pas utiliser mon arme là? Pas de blague.
Enfin, surchauffe trop vite. C'est la première fois qu'on meurt. Ah ouais, je sais pas ce qu'il nous a fait là, une déflagration. Alors, attends, on va recommencer. Du coup, bim. Ça sur lui. Ça sur lui. On va faire ça. Et putain, mais... Ok, il nous envoie des trucs. Soirée.
vous êtes en sécurité. Où est le commandant? Où est Shepard? On a reçu votre message, ambassadeur. De quoi s'agit-il ? Inutile de vous énerver, capitaine. J'aimerais sortir indemne de cette réunion en tant qu'affaire. Vous devriez me remercier. Si le Normandie était toujours retenu au sol, on serait tous morts à l'heure qu'il est. Je comprends, capitaine. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais ce n'est pas la raison de votre présence. Nous avons à parler du Conseil. Mais ils sont tous morts, je crois. Le commandant Shepard a fait le bon choix. Il fallait garder la flotte en retrait pour se concentrer sur Sauvraigne. C'était la seule option envisageable. Je suis d'accord, mais là n'est pas la question. La situation actuelle nous offre une opportunité. Le Conseil n'existe plus et la galaxie a besoin d'une autorité supérieure. Les autres races ne peuvent pas lancer la reconstruction sans nous. Nous devons prendre l'initiative de former un nouveau Conseil. Ah. Un Conseil dirigé par un président humain. Il faudrait utiliser la force, ce n'est pas équitable. Ce n'est pas une manœuvre pour que l'Alliance prenne le pouvoir. Nous risquons de graves problèmes en imposant notre autorité aux autres races. C'est clair. Les autres espèces ont peur. Elles n'ont jamais été confrontées à une telle menace et ignorent quoi faire. Elles veulent que nous prenions les commandes. Elles croient en l'humanité grâce à vous, Shepard. Vous avez sauvé la galaxie de Sovereign. Vous êtes devenu le symbole des qualités humaines, le courage. La force. L'ambassadeur a raison. Les autres races nous admirent. Elles ne vont pas simplement accepter notre autorité. Elles vont l'accueillir avec gratitude. Au vu de ce que vous avez accompli, commandant, l'Alliance sollicitera votre conseil pour désigner un nouveau président. Au vu de ce que vous avez accompli, commandant, l'Alliance sollicitera votre conseil... le Anderson, pas Udina. Udina, c'est un connard. Nous devons nous préparer à la guerre. Il nous faut quelqu'un doté d'une solide expérience militaire. Quelqu'un comme le capitaine Anderson. Et il le mérite. C'est un argument qui se tient. Capitaine, vous sentez-vous capable d'assumer ces responsabilités? Je ne sais pas si quiconque parmi nous en est capable. Mais je ferai de mon mieux. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le vrai travail commence. Les moissonneurs sont toujours là, ils arrivent, et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard a raison. La guerre contre les moissonneurs est inévitable. Si nous échouons, toute forme de vie sera anéantie. Nous devons mener la galaxie dans ce combat pour notre survie. Avec le soutien des autres races, nous remporterons cette bataille. Ensemble, nous nous opposerons au retour des moissonneurs et nous les renverrons au néant. Ah non, ok, ça reprend là. Et si je continue, il se passe quoi ?
Est-ce que ça reprend à la dernière sauvegarde? Si je fais continuer. Ah ok, on continue là. Ouais bon. On va pas refaire ça. Ah quoi que, allez go, on le finit. On le refinit, allez go go. Ça fait rien. Allez go. Il était facile. Thank you.
pas passer. On a reçu votre message, ambassadeur. Inutile de voilà. Vous devriez le bloquer, commandant. Les autres races ne peuvent pas lancer la reconstruction sans nous. Nous devons prendre l'initiative de former un nouveau conseil. Un conseil dirigé par un président humain. Je peux concevoir que les autres races nous invitent à rejoindre le conseil. Mais de là à en prendre la tête, c'est une autre histoire. Les autres espèces ont peur. Elles n'ont jamais été confrontées à une telle menace et ignorent quoi faire. Elles veulent que nous protégions. Elle croit en l'humanité grâce à vous, Shepard. Vous avez sauvé la galaxie de Sovereign. Vous êtes l'ambassadeur a raison. Les autres races nous admirent. Elles ne vont au pas vu de ce que vous avez accompli, Captain Anderson. L'alliance, nous devons nous c'est un argument. Je ne sais pas si qu'est-ce qui va se passer maintenant. Les moissonneurs sont toujours là, ils arrivent et je trouverai un moyen de les arrêter. Shepard a raison. La guerre contre les moissonneurs est inévitable. Si nous échouons, toute forme de vie sera anéantie. Nous devons mener la galaxie dans ce combat pour notre survie. Avec le soutien des autres races, nous remporterons cette bataille. Ensemble, nous nous opposerons au retour des moissonneurs et nous les renverrons au néant. Ok, bah voilà, on a fini deuxième fois le jeu. Ok. Non, on va la poser à la manette, comme ça on va laisser le générique. Alors, quoi dire sur Mass Effect 1 ? Ça va, c'est un bon jeu. Je n'irais pas dire que c'est un excellent jeu, parce qu'il a quand même mal vieilli. Par contre, pour le remaster, je pensais qu'il était un peu anecdotique, mais finalement, il est très bien, parce que j'ai vu les images de la version 2007, et oh là là, ça pique les yeux. Ils ont bien fait un remaster. Ça ne vaut pas un remaster de Resident Evil, bien sûr. Mais ils auraient dû aussi refaire le gameplay. Le gameplay a mal vieilli, hein, tout est rigide. Les cinématiques aussi, ça se voit que c'est des anciennes écoles. Tout est un peu rigide. C'est un peu en mode camion. C'est lourd. Mais sinon, l'histoire, il faut s'accrocher, quoi. Il faut comprendre le vocabulaire et tout ça. J'ai pas tout compris de l'histoire. Il faut juste que je me renseigne pourquoi sa reine a fait tout ça, quoi. Bon, à la fin, il était contrôlé par le moissonneur. Mais bon.
Voilà, sinon, oui, c'est un bon jeu. Je sais que c'est pas le meilleur de la série. Le 2 le surpasse, apparemment c'est le meilleur, voire même le 3. D'ailleurs, je les avais fait aussi à l'époque, hein, le 2. Je sais pas, j'ai jamais fait le 3. Le 2, je l'avais fait, et oui, le gameplay est beaucoup mieux amélioré. On verra ça. Quoi dire encore? C'est du BioWare. Sans aucun doute. J'aurais adoré un gars, je pense, sur YouTube qui explique un peu le scénario du 1 pour bien tout comprendre et bien entamer le 2. Parce que je comprends pas pourquoi les monsters doivent revenir puisqu'ils n'ont pas ouvert le passage. Enfin, je pense pas que Saren a eu le temps d'ouvrir le passage. Je sais pas. Enfin. Qu'est-ce qu'on peut dire? Finalement, on n'a pas mis trop longtemps à finir, je crois. En 15 heures, peut-être 16 heures. Ce qui est bien. Enfin, c'est... Moi, ça me va, hein, un jeu de 15-16 heures, c'est suffisant, quoi, c'est plaisant, c'est concentré. T'as pas le temps de t'emmerder. Enfin bon. Du coup, on se donne rendez-vous demain, du coup, pour un nouveau Let's Play. On va, du coup, comme j'ai dit, on va alterner entre BioShock et Mass Effect. Du coup, demain, ce sera BioShock 2 et après Mass Effect 2. J'ai hâte de le faire, le Mass Effect 2, pour voir vraiment les améliorations du gameplay, tout ça, et même du scénario. Hein. C'est beaucoup plus profond. En tout cas, si je me souviens bien. Et sur ce, bah, bonne soirée à tous. Et on se retrouve du coup demain. Allez, bonne soirée et à demain. On va passer à la cinématique. Voilà, on va se laisser là. Allez, ciao ciao. Et à demain pour BioShock 2.